C'est au bout de 4 jours de traversée que nous touchons enfin la Terre. Nous accostons à Porto Santo. Le temps est peu engageant. La centrale électrique, face au port et le relief aride de l'île, nous laisse dubitatif. Il faut reconnaître que les Madeirains sont de bons vendeurs, en nous présentant cette île comme une perle de l'Atlantique. Mais ne soyons pas mauvaise langue. La plage est magnifique. Celle qui borde l'île et le petit bourg aux maisons traditionnelles ont un charme certain. Les deux extrémités de l'île offrent le spectacle d'un relief très accidenté de rochers et de falaises plongeant dans une eau très bleue. Lorsque les nuages veulent bien s'écarter, la vue vaut le détour. Nous quittons Porto Santo pour Madère par une petite traversée de 30 000. Nous arrivons par la baie d'Abra qui nous saisit par sa beauté sauvage. Arrivés à la marina de Quinte del Orde, nous retrouvons plusieurs équipages français qui nous entraînent avec eux dans un marché typique de la montagne et à Camera de Lobos, un petit port de pêche. En attendant Isabelle et Marcel, nous décidons d'aller une petite semaine à Machico, l'ancienne capitale de l'île. C'est l'endroit où João González Zargo a posé pour la première fois sur l'île, en 1419, le pied à terre. Nous sommes le jour J pour aller chercher Zaza Coma et Marcel à l'aéroport, sans oublier leurs valises. Nous débuterons leur séjour par un tour de l'île avec la petite voiture de location. Les copines se sont enfin retrouvées pendant que Marcel médite. Ce petit tour de l'île nous donne un aperçu de Madère, que cela soit des montagnes ou vallées profondes, en passant par les côtes bordées de falaises élevées, ou encore Santana, avec ses maisons typiques à Madère. On peut aussi observer les fameuses levadas, le mirador du Cabo Girao, perché à 580 mètres au-dessus de la mer, et les figures typiques de l'île. Il fallait avoir au moins une journée pour avoir un aperçu de Funchal. Nous commençons par leur centre-ville, puis nos pas nous guident vers l'église jésuite pour redescendre vers le marché couvert. Nous flânons en admirant les portes pleines des ruelles de la vieille ville. Nous allons voir aussi ces fameuses descentes en traîneau, sans oublier les jardins magnifiques du centre-ville. Cette journée se terminera par la visite du jardin tropical. Nous terminerons ce voyage à Madère par la fameuse balade de la Levada aux 25 fontaines. C'est vrai que le site est grandiose, mais quel dommage que cette île soit survendue et que les flots de touristes envahissent ces coins magiques. Ça et l'urbanisation à outrance de maisons à l'architecture éclectique nous laisseront un souvenir mitigé. Apesar de tão canseira.